C'est un magnifique jour pour lever ton cul de feignant et aller le faire, réaliser tes putains d'objectifs. On s'en fiche de tes excuses ne valent rien. Et tu sais quoi? Personne n'aura de la pitié pour toi. Personne, même pas ton père, on s'en fout de cela. Tu sais que tu dois gagner, que tu dois réussir. Peux-tu gagner et tu n'es pour réussir ou tu as un très bon message de la part de cet artiste, Rick Ross, Rosé. Et de l'autre, t'as un artiste qui invite sa mère à montrer ses fesses. Pour ceux qui connaissent Bossy Badaz, vous connaissez déjà le personnage, je pense que ça ne vous choque pas. Mais je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors l'histoire avec Bossy Badaz s'est passée lundi lors d'un live sur Instagram. Il était tranquillement en vacances en Jamaïque avec sa famille et ses amis, près d'une piscine. Et à un moment, lors du live, il y a sa mère qui dit qu'elle est prête à aller dans l'eau. Bossy Badaz se retourne et regarde le maillot de bain de sa mère. Et c'est là qu'il dit « Maman, tu as mis un maillot de bain ? Qu'est-ce que tu as mis ? Des collants ? Tes fesses sont à l'air ? Tu dois laisser tes fesses sortir, maman. Tu dois mettre un deux pièces, maman. Tu dois mettre un deux pièces et laisser tes fesses ressortir. » Et lorsque sa mère passe en maillot de bain, non seulement Bossy regarde, mais il a aussi commenté. Ouh, regarde ses fesses. Regarde ses fesses, maman. J'ai des vieux sur mon live. J'ai des vieux sur mon live avec des jets. Tu as vu ce vieil homme qui te faisait signe au restaurant, qui flirtait avec toi? Puis par la suite, Bossy Badaz a regretté d'avoir demandé à sa mère de mettre ses fesses en valeur. Il a même mis un tweet en disant que des hommes s'intéressaient trop à sa mère. Ma maman a un maillot de bain, une pièce. Ces hommes jamaïcains sont tous sur ma maman. What the fuck, c'est bizarre. I won't get in that water. Oh, okay. Come on, ready. Mama, you got on the baby suit? What you got on tights? Them cheeks out? No. Ma, you gotta let your cheeks hang out, ma. No, you gotta put on a two-piece, ma. No, you gotta put on a two-piece and let them cheeks hang. Ooh, look at them cheeks. Look at them cheeks, mama. They got some old men on my line with. They got some old men on my line with jets. I got one man. Oh, be one man. One man in You saw that man. You saw that old man waving at you at that restaurant. Man, you saw that old man waving at you at that restaurant, flirting with you. I saw somebody with somebody he didn't have shoes on. Mama then pull out the two piece. Miss Connor then pull. Okay. Let them cheeks hang out, ma. Let them cheeks hang out. I won't see them hang out today. You gotta take them shorts off. You gotta let them cheeks hang out. Putain, les states. Après, je pense, Bossy Badaz, il a dit ça pour... Putain, même pour rigoler, tu dis pas des choses comme ça sur ta daronne. Comment ça, tu dis à ta mère de mettre tes fesses en valeur, qu'il y a des vieux sur ton live? Ça veut dire quoi, ça, il y a des vieux sur ton live? Comme quoi qu'il y a des personnes vieux qui seraient intéressées? Wesh, en plus, il a regardé, il a commenté. Et bref, passons à la prochaine news. Sur DJ Khaled qui a inauguré son étoile sur le légendaire Hollywood Walk of Fame. Et la dernière news est sur T.I. qui, je le rappelle, fait du stand-up. Le 9 avril, il s'est produit devant une foule qui n'ont pas vraiment aimé ses blagues. Il y a même des gens qui ont sifflé. Après tout ça, T.I. s'est exprimé en affirmant qu'il n'abandonnera pas facilement. C'est une autre forme d'adversité que j'ai été amené à surmonter. Et je me suis tellement amusé que j'en veux encore. S'il me laisse retourner sur le terrain, j'y vais tout de suite. Quand c'est trop facile et qu'il n'y a pas de défi à relever, je m'en fous. C'est ce qui m'a fait quitter la musique parce que c'est presque comme si les gens attendaient de moi que je sois bon. J'embrasse la haine. Mais ce n'était même pas de la haine. C'était plutôt du genre, c'est notre chance de faire de toi l'un des nôtres. Et j'apprécie ça. Je n'ai aucun problème avec ça. J'aime l'opportunité de surmonter et de se démener. For the first shot of tequila today, you know what I'm saying? And I see a motherfucker in my peripheral doing shit like this. Is that you? Why you ain't saying that? Yes, it is. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur T.I. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées, du message de motivation de Rick Ross, si ça vous a donné de la motivation. La news sur Bossy Badaz et sa mère,
ce qui s'est passé lors de son live. Et qu'est-ce que vous en pensez de la dernière news sur TA? Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Wake up in the morning like a murderer.